Salut les copains. Eh ouais, c'est encore ma gueule. Bon, bienvenue sous mon XJ. Je vais remplacer les amortisseurs arrière qui sont des pompes à vélo. Donc là, on a des fameux Barpin 13 mm. Putain, c'est noué dans la merde. Et là, pareil, donc ouais, j'ai l'amortisseur qui pisse de l'huile grave. Donc voilà, je vais déposer tout ça. Putain, le filtre à essence, il est sédimenté, quoi. Voilà, bim bam boum ici, bim bam boum par là, et après ça devait être bon, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, je suis en train de monter les amortisseurs, j'en ai déjà monté un. Et ça, c'est les vieux amortisseurs. Donc, bon, je savais qu'ils étaient morts, mais je pensais pas à ce point-là quand même. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle des pompes à vélo. Donc, amortisseur ou pas, c'est la même chose. Voilà. Bah, ils sont vides en fait, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien dedans. Voilà, donc avec ces nouveaux amortisseurs, ces zones off-road, je les ai payés, je sais pas, 30 ou 40 $, un truc comme ça. Bah, ça devrait être un peu mieux, quoi. Parce que putain, j'ai vraiment le cul qui rebondit à un maximum, quoi. Donc c'est avec l'équipe de montage. Hop, hop, hop. Et puis voilà, quoi. En tous les cas, ça ne peut que être meilleur. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Deux amortisseurs zone off-road. Tout neuf. Putain. Les deux pompes à vélo que j'avais, franchement, c'était flippant, quoi. Donc bon, bah voilà, maintenant je comprends mieux pourquoi mon XJ il rebondissait du cul grave comme ça partout dans les chemins, quoi. Je savais qu'ils étaient niqués, mais je pensais pas à ce point-là. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de remplacer les vis des tirants de pont par des 19. Part patati patata focus, voilà. Bon, allez, c'est parti.